Bonjour chers amis auditeurs, ça me fait plaisir de vous retrouver en ce vendredi 1er juillet où nous fêtons les Thierry, Domitien, Domitienne, Esther, Esté, Servan, Servane et Servine. Donc bonne fête à vous si vous vous retrouvez dans tout ça et nous souhaitons aussi un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Je pense entre autres à mon amie Sophie qui se reconnaîtra. Nous allons commencer notre séquence d'abord avec un chant à l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous allons inviter les Mauriciens à chanter avec nous, avec le chant Saint-Esprit, Cantola. Ensuite, la première lecture sera interprétée par Samuel, un jeune qui vient de vivre sa profession de foi. Et j'ai aussi invité une amie, Sylvie, pour le psaume qui l'interprète si bien. Allez, c'est parti pour le chant à l'Esprit Saint. Viens en nous, Esprit Saint, mets en nos cœurs ta lumière, remplis-nous de ton onction. Aide-nous à incliner davantage notre cœur vers notre Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, quand tu l'as, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça m'aime au réconfort. Toute la paix, toute la joie, lit rempli mon cœur. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, dans tout là, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça m'aime au réconfort. Toute la paix, toute la joie, lit remplit mon cœur. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me sentis moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Mon âme lit dans la joie, ta présence, ça m'aime au réconfort. Toute la paix, toute la joie, lit remplit mon cœur. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Esprit, ta paix.
sans toi, nous pas capable. Et sans toi, nous n'a pas les faire dans l'existence. Et nous disons toi, puisque tu donnes la vie, puisque tu es tellement important. Dans ton présence, moi n'a la guérison. Peine à l'autre qui toi, Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi. Lecture du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée? Pour que nous puissions vendre notre blé. Quand donc le sabbat sera-t-il fini? Pour que nous puissions écouler notre froment, nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le fait pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur, Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vertir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme un fil unique. Et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur. Mais on ne la trouvera pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Samuel. Et maintenant, un petit causement. Nena, un dicton créole, il dit « Si vous crachez en l'air, va retombe sous votre nez, tôt ou tard. » Ou un affaire comme ça. C'est un peu, en fait, ce que dit ce texte d'Amos, prophète de Dieu. Vous savez, dans les paragraphes précédents, mais même encore dans ce texte-là, Amos n'arrêtait pas de mettre en garde tous les peuples à cause de leur mauvaise conduite. Ici aussi, l'oppression, l'appât du gain, c'est-à-dire l'amour de l'argent, une trop grande place aux activités commerciales, au travail, tricher, duper pour gagner plus, en plus vouloir abuser sur les pauvres et les malheureux, tout cela est dénoncé dans ce texte. Et en faisant cela, certains croient tromper, duper les hommes et même Dieu. Mais ils sont fous. En fait, ils s'éloignent de lui. Si nous ne prions plus, si nous modifions la loi de Dieu, si nous ne respectons pas sa parole, nous nous coupons nous-mêmes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu infligera des fléaux au peuple qui s'éloigne de lui. Mais dans le Nouveau Testament, et suite aux apparitions plus récentes, par exemple du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, nous découvrons à quel point Dieu nous aime et avide de notre amour. Mamaï, lui là on vit nous aime à lui vraiment comme lui lui aime à nous, que nous donne à lui tout notre cœur. C'est pas une blague, hein? Encore aujourd'hui,
Il attend que l'on s'attache à lui, que l'on l'aime plus que tout, en le mettant au premier plan et en aimant aussi nos frères et sœurs autour de nous. Sinon, nous allons être malheureux, privés de lumière. Nous n'allons pas discerner le bien du mal. Et nous devons aussi annoncer cela, Jésus mort et ressuscité, à tous ceux qui sont autour de nous, pour qu'eux aussi rejoignent la grande famille de Dieu, pour qu'eux aussi bénéficient de cette bonne nouvelle. Vous savez, lorsqu'on est toujours en dépression, ou en colère, ou angoissé, c'est comme un enfer. Nous sommes privés de Dieu, de sa paix, de sa joie et de son amour. Certains cherchent alors cet état de bien-être partout, sauf en Dieu. Moi, je connais des gens qui cherchent dans un peu de yoga, dans la méditation. On voudrait être aussi zen que Bouddha. Il y en a qui cherchent leur futur dans les horoscopes, les gris-gris, etc. Mais ils s'égarent davantage. En fait, ils ont comme une faim et une soif de Dieu, mais qui n'est jamais assouvie. Tous ceux qui font partie du groupe Jésus est mon guide. Vous, par contre, vous savez que notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Et aussi, vous aussi, les fidèles auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Voilà, parce que la parole nous rassure, nous relève quand nous tombons, nous réconforte de nos malheurs. Et si je l'écoute comme une parole vivante pour moi aujourd'hui, elle fait des merveilles en moi, en toi, en nous. Il ne suffit pas seulement d'entendre et de répéter les paroles du Seigneur, mais il faut aussi la mettre en pratique, en changeant ses mauvaises habitudes, en demandant à Dieu la grâce d'un amour plus sincère pour lui et pour les autres. Sinon, nous faisons semblant, en nous persuadant que c'est ce qu'il faut faire, alors tant pis pour nous. On continuera à traîner d'une mer à l'autre, comme dit le texte. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont à la messe tous les dimanches, mais qui ne vont pas en profondeur dans l'amour et la recherche de Dieu. Pourtant, c'est exactement ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants, pour chacun de nous. Comme nous devons blesser le cœur de Jésus en faisant cela, il faudrait vraiment demander à l'Esprit-Saint ce qu'il veut changer en moi, en toi, en nous, pour que nous nous convertissions sans cesse et ainsi goûter de plus en plus à la paix, l'amour et la confiance qu'il veut nous donner. Dans le texte du prophète Amos, il est écrit que comme le Seigneur qui enverra la femme, que c'est le Seigneur, pardon, qui enverra la famine sur la terre, une grande soif de sa parole. Mais en fait, il me semble que Dieu, avec sa parole, son Esprit Saint, son cœur sacré débordant d'amour, est toujours là. Il est là, à côté de nous, devant nous, dans notre vie. Mais c'est nous qui ne le voyons pas, c'est nous qui ne l'accueillons pas et qui ne le cherchons pas souvent. On préfère nous se concentrer sur nos problèmes et nos difficultés au lieu d'élever les yeux et crier vers lui. Et pourtant, il voudrait que nous soyons assoiffés de lui, de toute sa présence. Et alors, c'est certain, il nous comblera de son Esprit Saint. Puisqu'il y a un verset dans sa parole qui dit que « Quiconque demandera l'Esprit Saint, cela lui sera accordé. » Jésus, Dieu, ne refuse pas son Esprit Saint à tous les hommes. Alors, est-ce que moi, je demande assez souvent cet Esprit Saint? Est-ce que je veux me laisser guider, rejoindre par Dieu? Est-ce que parfois, je veux bien me laisser déranger dans mes plans, sur ma vie, en acceptant que ce soit lui, le seul Seigneur, qui me dirige complètement et non plus moi? Chers amis, c'est sur ces questionnements que je vous laisse pour aujourd'hui. En tout cas, si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes à la recherche de Dieu, tout comme moi. Et vraiment, je voudrais vous remercier au nom de Jésus, parce que je sais que l'on fait plaisir à son cœur en faisant cela. Et continuons à nous nourrir de sa parole et de ses préceptes avec le psaume 118, interprété par Sylvie, mon amie.
Dans ce psaume, je retiens entre autres « J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. » L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux ceux qui gardent l'exigence de Dieu, ils le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur, je te cherche. Seigneur, garde-moi de fuir tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon âme a brûlé de désir, tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de ta fidélité, je m'ajuste à tes décisions. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par ta justice, fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci beaucoup, Sylvie. Et pour finir notre séquence, chers amis, disons à notre Seigneur à quel point nous avons confiance en lui avec la belle Akiem et son super chant « Mes cris bondiers ». Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Gros bisous, à bientôt. C'était Lina. Prends mon esprit quand l'orage malaisé y abat mon espoir, ah, ou même le phare y ramène à moi d'un port. Quand tourne l'amertume et qu'on redécit mon dos, la douleur n'habite non fait voir à moins d'étoiles. Quand cascade la peine qui déverse mon figure, les brouillés aux lumières où mon Dieu écrit bon Dieu, entends à moi souffler. La paix.